Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur les Gardiens de la Galaxie. Un peu fatigué en ce moment, je sais pas pour vous, mais le changement d'heure, moi, ça m'a un peu fatigué. Hein. Je sais pas, le matin, j'ai plus de mal à me lever. Mais Tu as bon, donc raison de voilà, te là, je sais pas, tracasser il pour le relais des est communications, mon 14h cher. quand je Un commence client à potentiel tourner. pourrait nous contacter et Donc voilà, je suis constater que plutôt de votre l'après-midi en message ce moment, est clairement. indisponible. Vous appelez le Oh! groupe? Il l'a Ah, mis dans une. super, t'as fait un joli petit Il l'a mis enclos. la main J'appelle le groupe. dans un enclos d'arbre. Je Je compte sur vous les amis pour t'appelle mettre votre petit patron. like sur cette vidéo et vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Merci beaucoup, vous êtes vraiment au top. Tu t'as Qu'est-ce pas qu'il fait veut lui? exprès de grignoter les petits câbles, hein? Voilà, ils l'ont mis là-dedans parce qu'il a grignoté les câbles du vaisseau. Notre mission, c'est d'aller piloter le Milano pour aller aux cohortes de Nova et payer notre dette. Je vous rappelle qu'on a volé l'argent à Lady Hellblender, elle est pas contente. Gamora, t'as trouvé? C'est quoi? Des poupées? Oui. Non. C'est pas important. L'espoir d'Allah est dans le taillot. Ta console a les coordonnées. Ok. Allez, on grimpe sur le okay. siège. Tiens-toi bien, Corel. Tu vas pas être déçu. Bon, tu m'as surprise. Une seule fois. Que ta copine a rempli sa part du contrat, Quill. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est elle? Je vérifie. Même appellation qu'avant. Il s'agit bien de l'espoir d'Allah. Mon vaisseau? Du calme, c'est la procédure standard des Nova. Mon vaisseau va bien. Quelle partie de ton vaisseau? Demande à Quill, celui qui arrête pas de le cracher. Bon, allons payer cette amende. Eh, on prend les paris que Quill va se remettre avec sa fliquette? Connaissant Corel, ce serait surprenant. Je s'appelle Groot. Oh non, Groot, c'est pas gentil ça. Il a plein de choses pour lui. Toujours ce frigo ouvert, c'est incroyable. Ses cheveux? Je sens que attends, on va regarder l'établi d'abord. Le style capillaire de Peter Quill. Pour voir si. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 1700 composants, donc c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Consommer moins de charges qu'on peut tirer avec les pistolets élémentaires, c'est pas mal ça. Cadence de tir doublée quand la santé. Ok. Ralentit le temps à court instant quand vous esquivez au dernier moment. Ok. Temps de régénération. Restaure les points de bouclier plus rapidement en combat. Ça peut être cool aussi. Augmente le total de points de bouclier de 50. Allez, on prend ça. D'ailleurs, je peux peut-être prendre les deux. Ah non. Et une petite merdaille, ah si, une. Je peux. Ah non, il va manquer des composants avancés. Bon, ok. Maintenant que c'est fait, là, on peut bouger la feignasse. Enfoiré de roquette. Allez, on sort du Milano. On va payer notre dette. Attends, je peux leur parler? Prêt à régler notre amende? Je s'appelle Groot. Même Groot, c'est que t'es là pour bouffer de la myrtille. T'étais déjà venu sur le rocher? Ouais, ça ressemble à n'importe quelle station des Nova. Ok, on y va. Ah, je viens de découvrir moindre pète la cinématique. Mais même une pétouillette, hein. On exige que les Nova réduisent notre amende. Eh bah, bonne chance. C'est de la médisance. Négligence. C'est ce que j'ai dit. J'avais pas vu que la boule du vaisseau se transforme en pont. Passés où, les pour descendre. La plupart des stations Nova sont largement automatisées. Elles sont toutes synchronisées par le World Mind. C'est perturbant. Ah, ils n'avaient pas vraiment le choix après la guerre. Ça, c'est classe. Fauteuil, pas de quoi les remplir. De toute façon, ça a l'air plus efficace comme ça. Bien sûr. Jusqu'à ce que le World Mind éternue. Et tout à coup, il n'y a plus d'oxygène.
C'est un... Vaisseau EMS, désignation Milano. Place de stationnement R734PL. Présentez au guichet le ticket validé avant votre départ. Du calme, Rocket. C'est la procédure standard. Oh, mais tu fais ça tout le temps. J'en suis pas à ma première brune chez les Nova. Et toi non plus. C'est la première fois que j'en paye une. Je savais que j'aurais dû rester à bord. Tu viens, Rocket ? Ouais, ouais. Rocket, il est en flip parce que son vaisseau, ils sont en train de le déplacer juste. Ok, c'est pas censé être aussi vide. Il serait pas en vacances ? Les spatiophiques prennent pas de vacances. Wouhou ! Je s'appelle Groot. On vient pour payer une amende. On cherche le centurion Corel. La porte est verrouillée. Bon, bah voilà, on a tenté le coup. Allez, on y va, on s'en va. On s'en va pas. On ira les chercher s'il le faut. Regardez ! Les commandes de la porte sont de l'autre côté si on arrive à te faire passer. Alors quoi, maintenant, je suis censé pirater la sécurité des Nova ? Enfin, si tu te sens pas capable... Les mèches tiennent, Will. On parle de forcer l'entrée d'un bâtiment appartenant au corps. On force rien s'il y a personne. Alors, la forge dorée, Centurion Carlos, ok. Nous sommes... ok. C'est précisément dans ce cas qu'il y a extraction. Tiens, là justement, on va pouvoir envoyer bon, quelqu'un peut-être. Il y a un conduit d'aération là. Tu pourrais y accéder, Rocket. Allez, Rocket. Tu peux te faufiler dans ce conduit. Si t'arrives à me l'ouvrir, hein. Alors là, il y a des composants. Il faut simplement attendre Groot. J'en doute pas. J'ai besoin d'un coup de main, Drax. Je ne peux pas t'aider. Pourquoi il peut pas m'aider ? Vas-y, Gamora. Pas moi. Bah. Genre, personne peut ? Ah, peut-être avec le pistolet de gel. Ah non, fallait juste tirer dessus en fait. Ok. Super Rocket. Regarde si ce conduit arrive dans l'autre pièce. Et sois prudent. Je veux pas dire, moi je suis toujours pas d'accord. Il est bah il est juste là, tiens, on le voit. Y'a un truc qui débloque dans le réseau électrique, comme s'ils étaient que sur l'auxiliaire. Je connecte. Ouais, c'est fermé. Merci de vérifier mon travail. Interrupteur. Ah, ok. Je viens de capter qu'il y a un circuit à ralimenter. Alors, tac. Attends. Du coup, là, ça a ouvert une pièce. Hey, c'est des WC. Une envie pressante, quelqu'un ? Oh. On vient de trouver une tenue, là. Yeah, tenue de corps de Nova de Drax. Stylé. Tiens, on va l'habiller tout de suite. Hop. Hop là. Ah, il est pas mal comme ça aussi. Je me contenterai d'un réceptionniste. Du coup, tac. Ça, c'est ici. Ici. Presque marché. La porte se ferme. Attends, là on a alimenté la machine à bonbons là. Ah, les deux circuits, d'accord. Je n'ose même pas penser au nombre de monstres que nous devrons vendre pour payer cette amende. Mmh. On est bien en vue, personne ne vient nous arrêter. Ah oui, d'accord. Je crois pas qu'on nous surveille. Ça va pas, Peter ? Ça y est, c'est bon. Zoup là ! Zoup quoi ? Eh ben, tadam quoi ! Ce silence ne me dit rien qui vaille. Ouais, t'as raison. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils se scannent l'un l'autre, pas savoir pourquoi, ils ont carrément perdu la boule. Attends, on va aller là où Rocket est passé justement pour trouver des petits composants de base, ma foi. Mais, vous avez entendu ? Quoi ? Toutes les choses qu'on aurait pu se payer avec nos unités en train de tomber à l'eau ! Je sais quel bruit font les choses qui tombent dans l'eau, ça ne ressemble pas à ça. Hé, y'a quelqu'un qui appelle ? Oh, pauvre petite chose. C'est un objet. Ta peine est super pesante. On va passer par là. J'avais oublié. Je veux pas demander à quelqu'un de l'équipe de le dégager. Qu'est-ce que tu fais ? J'annonce le caractère licite de notre démarche. Hey,
Waouh, cet endroit est immense. Tu t'attendais à quoi? Salut. Quelle perspicacité. C'est qui lui? Qui t'aime, mais viens ici une minute. Hé, hey, les artistes, vous devez me faire sortir de là. J'ai rien à faire dans une cage. C'est pas ce que pensent les Nova. Je t'ai pas sonné, la gothique. On dirait le soldat de l'hiver, lui. Pas nous rendre complices d'un criminel. Pourquoi t'es enfermé? Quoi? Pour rien. Ils m'ont pris pour quelqu'un d'autre. Moi, je m'en fous de leur salade. Je veux juste qu'on me lâche. Oh, je l'aime bien, lui. C'est réciproque, la belette. Alors, vous me filez un coup de main? Il doit y avoir un interrupteur, ou je sais pas. On va essayer, comment hein. Ça se fait qu'on ait encore croisé aucun Nova? Oh, hey, vous faites quoi, là? Vous m'emmenez où? Oh, merde. Je me demande où il est parti. Au fourneau. Félicitations, Quill, tu viens d'exécuter ton premier détenu. Ça me semble peu probable. Oh merde, c'est pas ça qu'on voulait faire. Ça fait pas peur. La grande maison hantée sur Dervani, ça faisait peur. Ce sont pourtant deux choses qui n'ont rien à voir. Je regarde si on peut pas faire descendre d'autres... Non, on dirait pas. Ah, il y avait bien des composants là. Comment je les atteins? Ah, ça y est. C'est pas possible que toute la station soit déserte. Elle n'est pas complètement déserte. Elle est occupée par des robots. Préfère comme ça. Peut-être qu'on l'a renvoyé dans sa cellule. C'est genre. Fou. Ah, bah il est là. Coucou. Oh hey, quoi encore? Bah, il a encore disparu. Cet endroit évoque des souvenirs. Tu as servi dans les cohortes de Nova, Peter Quill? Quoi? Non, mais. Mais j'ai été dans la même situation une fois. Attends. Oh, il voulait en découdre le bonhomme. Affaire suivante. Jack Flag, Centurion Vicar. En admettant qu'on le recroise plus ici. 1, 2, 3, 4. Ok. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah, je me disais que tant qu'à être ici, je pourrais dénicher des dossiers bien juteux sur les Nova. Peut-être même qu'ils ont retrouvé la frangine bleue de Gamor. Sûrement pas. De quoi? Non, rien. La frangine bleue, comment elle s'appelle déjà? Je me souviens plus. Nebula. Voilà. L'autre fille de Thanos. C'est trop silencieux. Nous passons pourtant notre temps à discuter. Drax a raison, fermez un peu vos gueules. Cette porte est verrouillée. Je regarde bien partout, histoire de rien louper. En tout cas de faire le maximum pour rien louper. Je me demande si on pouvait passer par là quand même. Non. Tombé dans la dèche. Il nous restera des unités, même après avoir payé. Mais pas assez pour des trucs marrants. Je vous l'ai déjà dit, je connais un mec qui peut nous virer le mouchard pour la moitié du montant. Et ça nous retombera dessus si on se fait contrôler par les Nova. Je commence vraiment à me sentir comme dans une maison hantée ici. Et ça te donne pas envie de prendre tes jambes à ton cou? On a qu'à faire un transfert d'unités, comme des gens normaux. C'est même pas sûr que ce soit possible. J'ai jeté un coup d'œil au terminal de l'accueil et on dirait que la connexion avec le World Mind a été coupée. Ascenseur en panne. Mais la cage a l'air ouverte au-dessus. On pourrait s'en servir pour grimper. Tu veux qu'on marche là-dessus? Vraiment? Il y a de quoi tenir largement à 5. S'il te plaît, tombe pas, s'il te plaît, tombe pas. Ah, wow. Merde. Et voilà! Les doigts dans le nez. Waouh, flippant. Oh, j'avoue, c'est flippant. Ça fait très film d'horreur là quand même. Ouah, c'est classe. Ah, si t'as peur. Ce sont des... Des armures de centurion. Ouais. Tu peux en essayer une, Quill? Un véritable guerrier n'a pas besoin d'armure. Tu rentrerais pas dedans, de toute façon. Porter une armure, c'est promouvoir les jeux pour de vrai. Je peux en mettre une? Ah bah, si tu veux être réduit en tas de pouillasses, le World Mind les code génétiquement. Tu veux dire par là que le World Mind possède les codes génétiques de chaque centurion Nova? Ouais. Il paraît que les insectes ont voulu retourner ça contre pendant la guerre. Bah, c'est impossible de pirater le super ordinateur, et puis croyez-moi, j'ai essayé. C'est ultra classe, je trouve. On dirait que c'est le seul moyen d'avancer. J'ai fasciné pour te faire couper en deux, juste pour que ta copine soit fière de toi. Il est plus probable que la porte t'écrase. Ah, normal que la porte fasse n'importe quoi. Ah voilà, et là on va le geler.
Yes. Waouh. C'est quoi, c'est là où ils construisent des armures. Pièce, celui-là. Dirait un atelier. Vous avez découvert un établi. Ces trucs avec un genre de métal xandarien intelligent. Le métal, c'est pas intelligent. Plus que certains. J'adore l'esthétique de cet endroit. Franchement, c'est super joli. Je crois que c'est mon endroit préféré pour l'instant. Alors, voyons ce qu'on peut faire avec. Est-ce qu'on peut se faire une petite amélioration du coup? Tout à l'heure, on n'avait pas pu se faire. Ah non, on a toujours pas assez, je crois, du coup. Hein. Ouais, c'était ça, 230. On va attendre un petit peu, on va économiser. Comme ça. J'adore les réflexions du jeu, en fait, c'est ouf. Attends, là, on peut appuyer là-dessus. Ah non, c'est juste un transcodeur. Merci de pas utiliser vos combinaisons à 200 unités pièces pour faire griller les Shogadog. Ok. Les centurions sont plus forts. Plus fort ? C'est tout ? Ah, je veux des détails. Non. Toujours que dalle ! Il y a forcément une explication. L'espoir d'Ala est un vaisseau amiral. Ils sont peut-être là-bas pour je ne sais quelle raison. Ça rend bizarre que ce soit vide de vide. Hein. Par la variole vormirelle. Je ressens bien comme un début de démangeaison. J'utilise beaucoup la visière parce que ça permet de découvrir des endroits parfois cachés. Roquette, ça c'est pour toi. À toi de jouer. Non. Quoi? J'ai dit non. Quand est-ce que tu vas arrêter de délirer, Quill? Je s'appelle Groot. Et après? On va scoltiner les trois quarts de la station si on le laisse faire. Bah alors? Drax, tu crois que tu peux l'ouvrir de force? Je n'ai pas de prise. Tu devrais peut-être négocier avec le rongeur. Ok. On essaie encore une pièce et si on trouve rien, on s'en va. Ça marche? Okay. Une dernière pièce. Je trouve que c'est vraiment unique. J'ai jamais vu de jeu comme ça où tu donnes des ordres à tes persos, mais les mecs ils t'écoutent pas, tu vois. J'ai dû redemander à Rocket une deuxième fois, c'est ouf. Bon, la porte est HS, hein, on reviendra pas par là. Je croyais que les Nova avaient plus de vaisseaux. Ils ont des problèmes d'effectifs, pareil. Qui t'a dit ça? Des gens. Par-ci, par-là, il y a aussi d'autres gens. Peter Quill. J'ai trouvé ça. Secteur 1, au rapport. Ratissage du secteur 1 terminé. Taux d'acceptation à 75%. Comme elle l'avait promis. Ayez la foi. La promesse sera réalisée. Passer au secteur 7. Avec foi. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul. Ça discute beaucoup. Dis-leur de me rendre mon vaisseau. Mon vaisseau. Je sens qu'il y a un mais. Mais on dirait qu'il recherche quelque chose. Ou quelqu'un. Ça expliquerait pourquoi il n'y a personne. On sent pas les moustaches. Dis à ces bouffons jaunes de rappliquer. La promesse sera réalisée. Passer au secteur 7. Avec foi. Secteur 3. Au rapport. Le ratissage du secteur 3 en cours. Il y a une certaine... On va le reposer, je pense. Ah, non. On continue de chercher. Ou alors, on n'a qu'à dire qu'on s'arrache de cette station sordide. La porte est en carafe, tu te souviens? On peut la désencarafer, Gamora, contrairement à toi. Les bombes t'oublient. Et par là? Ça va où, d'après vous? En bas. J'en demande pas plus. Hé hey, j'avais pas dit une dernière pièce? T'as dit que la porte était naze, hein? Je suis sûr qu'on est presque arrivé. T'es sûr de que dalle? Enfin, je suis presque sûr. On a trouvé quelque chose, non? Et alors pourquoi tu nous as rien dit? C'est un ascenseur, ça. Ils sont tous là. Un truc pas normal. Oh, flac. Déplorable. Flac. C'est une mutinerie. C'était une exécution. J'ai jamais vu des flics s'entretuer. On va devoir la jouer fine tant qu'on saura pas ce qui se passe ici. Nickel camp a gagné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi okay. Il y a des corps de Nova qui tirent sur d'autres corps de Nova? Suivez-moi. Ils ont pas l'air naturels. Regardez. Ils brillent, c'est dingue. Eh ben, j'en conclus que c'est eux les méchants. Échappez-vous du rocher. Il nous faut un plan. Nous devrions miser sur l'effet de surprise. Vous tenez vraiment à ouvrir le feu sur les Nova? Là, on peut envoyer Gamora. C'est clairement pas des Nova. Donc c'est parti. Ça va faire mal. Allez, go!
j'ai raté leur chargement. Allez, j'adore ce tir là. Bon, on peut pas bouger du tout quand on fait ce tir là, mais... Il est gros lui. C'est beaucoup plus informatif. Il faut purger tous les mécréants. Ça explique toujours pas pourquoi la station était vide. Il y en a peut-être qui essayaient de s'enfuir. Ah, il était relou avec son bouclier. Yes, Drax. Il est pas mort encore. T'as plus à te soucier des mines. Ils sont indignes de porter l'uniforme des Nova. Ils ont pas l'air de s'encombrer avec nos nerfs. Allez, on tire bien dans la tête. Je sais pas si ça fait plus de dégâts. On est dans le doute. Il y en a encore un là-haut. Attends, il y en a encore. Il y en a encore. C'est pas fini. Wow. Oh là là, j'adore. Comme il l'a fait tourner, il l'a lancé. C'était génial ça. Attends, je vais voir avant de continuer. Rien de particulier. C'est bon, on peut avancer les amis. Voilà, il nous balance des mines électriques. Gamora, vas-y. Aïe aïe, vous avez pas vu qu'il était tout près lui. J'aime bien ce pouvoir aussi quand on vole dans les airs, c'est vraiment pas mal. Oh oh, par contre là, attendez les gars. Merde. En fait, il pouvait plus sauter par-dessus. Attends, trop bon. Je sais pas si ça sert à quelque chose, à quelque soigner. On a besoin de tes points, mon grand. Ma vengeance sera brutale. Hop là, il y a plusieurs personnes à soigner là, les gars. Ah, on peut faire un rassemblement. Allez, je l'avais pas vu celui-là. Je trouve que c'est pas assez visible, tu vois, quand on peut faire le rassemblement. Alors. On doit prendre l'avantage, Peter. Vite. Rendre l'avantage, prendre l'avantage. Ces crânes de limaces dominent totalement le champ de bataille. Je regarde et je vois une équipe générique qui fait du carnage, je comprends. C'est en suivant, mais gardons quand même la tête froide. Allez. Bande de minables, ça monte à la tête de les combattre. Parasite, et ça fait mal viser. Je crois qu'il y a eu un petit bug dans le son là, parce que ça vient pas du jeu, enfin ça vient du jeu. C'est bon, on a réussi le rassemblement. Donc on a des bonus de dégâts. C'est quoi
Aidez-moi, cette lueur bizarre, là! Galvanisés par leur prêtrise! Ils sont ouf là avec leur laser. On va essayer de pas aller dans le vide cette fois-ci. Ils sont ultra résistants par contre. Je confirme à peine quand les corps de Nova m'avaient pris en charge. Ah, le petit combo là, des gardiens. Magnifique. Allez, il en reste un. Waouh! On aurait dit une attaque de ouf, mais au final il a pas perdu tant que de Vixa en fait. Waouh, alors là je lui ai fait la totale. Il s'est pris toutes les attaques des gardiens lui. Je crois qu'on ne paiera pas notre amende aujourd'hui. Tu m'étonnes. Les amis, le vaisseau de Corel est là. Il nous reste plus qu'à... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Quill? Une bande de flics de l'espace cinglé vient d'essayer de nous atomiser. Et toi, t'as envie de remettre ça? Parce que ta petite amie a peut-être des ennuis? C'est pas ce que je veux faire, et c'est pas ma petite amie. Continue, tu m'intéresses. Enquête! La seule chose qui m'intéresse, c'est de récupérer notre vaisseau. On trouve Corel, et après ça, ce sera plus notre problème. C'est clair. Ce sera plus jamais notre problème. Parce qu'on a quand même pas rejoint ce groupe pour être trimballé aux quatre coins de la galaxie par un emballeur de flics. Je s'appelle Groot. Oh, c'est pas vrai. Sans déconner, Corel! Rejoins les gardiens, qu'elle disait. Ce sera bon pour ta santé mentale, qu'elle disait. Très bien. Ouvrez les écoutilles. Groot et moi, on va se tirer de ce fichu rocher. Ceux qui auraient envie de nous suivre sont les bienvenus. Et les autres, ils peuvent aller se faire cuire un œuf. Je préfère le plan du rongeur. On aura essayé. Est-ce qu'il existe un moyen de partir sur les traces de l'espoir? Malade, pourquoi on chercherait à faire ça? Il y a peut-être des survivants à bord. Ou d'autres illuminés. Il y a de l'eau dans le gaz, comme on dirait, parmi les gardiens. S'il te plaît. Hein. Quoi, s'il te plaît? Vous avez laissé filer. Et c'est ce qu'on fait. Je suis partant. On va chercher le Milano. Un truc signalé au poste de réparation. En essayant de pas se faire descendre. Première chose sensée que tu dis depuis le début. Hop là. Allez, Rocket, tu vas pas rester fâché contre moi. On parie? Non, j'ai déjà vu ce que ça donne. Et si t'évitais juste de me saouler, jusqu'à ce qu'on se soit arraché de ce fichu caillou? C'est une zone super grande, je me demande s'ils ont caché des trucs. Mais je vais regarder un petit peu en contrebas avant de quitter la zone. C'est vrai que comme c'est pas un monde ouvert... Bah, tu peux pas revenir sur tes traces au cas où t'as oublié quelque chose ou quoi. Donc quand c'est perdu, c'est perdu. Intrus à la jonction C. Oh. Et nous apprendra à accepter notre amende. Oh, ma collègue. Allez. Je sais pas si je prends des dégâts de... Comment ça s'appelle? Des tirs amicaux. En point, il y a Rocket qui fait une bombe, je pense pas que je puisse. Allez. C'est juste une question. Mais là-haut, on est descendu dans la
Il y en a un là. Il y a du monde là. C'est bizarre que dans cette pièce il n'y a rien du tout. Faut bien regarder à côté des ennemis leur leur faiblesse. Comme par exemple lui il avait de la glace. Olé. Lui c'est juste des tirs de blaster classiques. C'est la petite icône en fait juste à côté du nom. Oh, il y en a encore un là. Oh la vache, elle lui a bien fait mal à lui. On n'a pas eu le petit ralenti donc je pense qu'il y a encore des ennemis effectivement. Dès qu'ils sont rapprochés, c'est magnifique. Alors lui, tu vois, il a le gel par exemple, et voilà. Yes, c'est bon, on les a tous eus. Sécurisez la station. Alors attends, par où on est venu par là? Pas la peine d'attendre. Franchement, si on m'avait dit qu'il m'arriverait tout ça aujourd'hui. Toc. Là, c'est fermé. C'est pas des chamailleries, c'est un désaccord qui fait du bruit. C'est lui qui a commencé. Hé, hey, t'as dit qu'il fallait remonter, c'est ça? Plus haut que ça, ouais. Je pensais que j'aurais plus jamais à affronter les Nova. Ces personnes ne sont plus des Nova. Oh, une nouvelle tenue, les amis. Oh putain, je suis tellement content qu'on joue à ce coffre. Tenue de corde de Nova pour Groot. Allez, on va lui mettre pour cet épisode. Même si j'aime pas quand Groot il est habillé, je sais pas. Je préfère quand il est à poil. Putain, on a trouvé quasiment. On a trouvé la moitié des tenues de Groot. Il est trop moche, mon dieu. Mais bon, c'est pas. C'est dans le délire de la mission. C'est dans le thème. Hey, on peut passer par là. Je s'appelle Groot. Mais si, tu passes droit devant. Peut-être que Corel a décollé vers Xandar pour signaler que. Regardez, c'est une prière. C'est quoi ce délire? Dans quoi on est en train de mettre les pieds? Visez-moi ce grand gaillard. Il a pas une tête de Nova. C'est un sorcier. Regardez la magie qui s'envole vers l'hôtel. Ça n'existe pas, la magie. Ah vrai? Allez, on y va avant que ces fous furieux ne nous repèrent. C'est ultra bizarre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, en train de prier là. Je vous l'ai dit, c'est pas notre problème. Ça va le devenir s'ils se sont emparés des Nova. Pas de Nova, pas d'amende, plus de problème. Il est trop pragmatique, Rocket. On devrait peut-être prévenir quelqu'un. Garde ça pour ton journal intime. Allez, Ucocot. Comment tu sais ça, toi? Cette porte est verrouillée. J'ai dit par ici. Je fais un peu le tour, mais... Tiens, là-bas, peut-être. Bon, rien d'intéressant. Allez, on descend. Antique te joindra mais nous. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de mal à vérifier? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je t'en foutrais, moi. Payons notre amende, inspectons les lieux, et puis après, faut tomber nez à nez avec une secte en pleine mutinerie. Je s'appelle Groot. C'est quoi ce truc? Une pousse rapide pourrait créer un mur solide de racines. Je vais même plus lui adresser la parole. À qui? Toi. Trop tard. Alors, tu penses... Ouais, je m'occupe de la porte. Parce qu'il faut bien que quelqu'un nous sorte là. C'est pas mal le petit coup de Groot là. Alors, décide-nous.
Quill, il s'en occupe. Ah ouais, mais lui il est dans le... J'avais pas vu qu'il avait glaçon et je pouvais pas rater le... Yeah. Je viens juste de me rappeler comment on fait des coups... Des coups de poing, des coups de pied, des trucs comme ça. Oh merde, il a mis son bouclier au mauvais moment lui. Ah mince. Aïe. La cible requiert de la précision. Allez le petit combo. J'aime trop. Peut-être que le sorcier leur a transmis des pouvoirs spéciaux. Aïe. Tiens-toi à l'écart des capsules flottantes qui t'apprêtent. Espèce de mine volante, je me tape sur les nerfs. En fait, eux aussi, ils sont sensibles à la glace. Hein. Allez, on le verrouille avec avec Groot. Et le petit combo qui va bien. Même Groot qui s'y met. Et maintenant, Peter ? Magnifique ça, ce petit finish. Que je m'occupe de cette porte. T'es sûr que tu peux l'ouvrir ? Regarde-moi bien là. J'ai une tête à pas savoir ouvrir une porte ! J'ai jamais dit que... Ça y est, on y va. Je te remettais pas en question, je voulais juste... Ça. Ok les amis, on s'arrête ici pour le moment. Bien sûr, on va continuer dans le prochain épisode. Restez bien connectés, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao les amis. Ça signifie...